beaucoup. Oui, c'est vrai que cette histoire de bienveillance que tu viens de soulever, elle est particulièrement intéressante. Moi, j'avoue que je me suis fait évidemment attaquer de toutes parts, ça m'a pas vraiment étonné, mais c'est quand même curieux quoi, qu'un type finalement incompétent comme moi, qui essaie simplement de donner un petit coup de pouce à la vie, réussisse à susciter autant d'inimitié en disant pourtant des choses aussi élémentaires. Pas ici. Non, pas ici. Alors d'abord, je voudrais vous présenter mes excuses. Parce que, en fait, j'ai un peu honte d'être là. Ah bon ? Parce que vous êtes tous extrêmement compétents, certainement beaucoup plus actifs que moi. Moi, je suis un débutant, finalement, dans cette cause, même si j'ai toujours voté écolo et j'ai toujours été intéressé par la question. Je n'ai aucun vrai passé, ni d'acteur politique, ni de militant engagé. Donc j'ai joué avec plaisir et un peu étonnement ces dernières semaines le rôle de lanceur d'alerte auprès du grand public. Mais vis-à-vis de vous, j'ai absolument rien à vous apprendre. En fait, j'étais beaucoup plus intéressé de vous écouter pendant 2 heures que de vous parler. Donc je vais faire une petite synthèse extrêmement banale, peut-être simplement pour qu'on se redonne ensemble quelques arguments qui peuvent être utilisés. Mais voilà, je me sens un peu gêné d'être sur l'estrade. Je pense que ma place est plutôt dans la salle. Donc, petit rappel de la situation que nous connaissons tous. Mais enfin voilà, mettons les choses au clair, disons-le clairement. Et essayons d'être factuels. Bon, on fait face à une situation sans précédent dans l'histoire de la Terre. Vous savez, la Terre a à peu près 5 milliards d'années, la vie sur Terre a 4 milliards d'années. Moi, dans mon domaine en cosmologie, on parle de l'univers qui, lui, a 14 milliards d'années. Ce sont des chiffres qui sont du même ordre de grandeur. À l'échelle de l'univers, la Terre est vieille. Et même par rapport à l'âge de l'univers, la vie est vieille. Donc c'est une très longue histoire, pleine de rebondissements, de subtilités, d'imprévus, et nous sommes en train d'y mettre fin, ou au moins de l'infléchir, de l'appauvrir, de l'atrophier radicalement, en un temps extrêmement bref. Donc c'est un phénomène auquel aucun autre vivant n'a, dans cette ampleur et cette précipitation, été, je crois, confronté dans toute l'histoire de notre planète. Donc c'est un peu contrariant. Donc cet édifice qui s'est forgé petit à petit avec des bifurcations, des points de rebroussement, des situations particulièrement fragiles et fécondes, est menacée par l'un de ses acteurs, c'est-à-dire effectivement une espèce qui se trouve en l'occurrence être la nôtre. Alors pour résumer un peu la situation, je lisais récemment que 2 chercheurs au CNRS ont analysé 13 000 articles publiés dans les plus grandes revues de biologie de la conservation, impliquant plus de 100 000 scientifiques à travers le monde, et les résultats sont parfaitement clairs, contrairement encore à ce qui n'est pas ici, mais à l'échelle globale, une sorte de doxa, il n'y a plus aucun doute possible, la vie est en train de se mourir sur Terre. Et c'est une nouvelle qui n'est pas tout à fait rassurante, puisqu'elle touche essentiellement toutes les branches du vivant. Les rapports du GIEC sur la biodiversité estime que les disparitions d'espèces ont été multipliées par 100 depuis le début du XXe siècle. Et en parallèle avec cette affolante diminution du vivant, on note une diminution draconienne des populations. Je pense que c'est important parce qu'on a tendance généralement à ne penser qu'en termes d'espèces quand il s'agit des animaux, alors qu'on pense bien sûr aussi en termes d'individus quand il s'agit des hommes. Alors je crois que c'est très bien de penser en termes d'individus quand il s'agit des humains, parce que c'est quand même ce qui compte, mais je crois que c'est pas bien d'oublier les individus dès qu'il s'agit des animaux. Et actuellement, on le voit, les disparitions d'espèces ne sont pas encore drastiques, parce que vous savez que pour qu'une espèce soit déclarée morte, il faut que tous les spécimens soient morts. Il ne faut même pas qu'il y ait un survivant dans un zoo. Donc c'est pas encore le bon indicateur. Le bon indicateur aujourd'hui, c'est les populations animales. Et on voit, de façon totalement non contestable, que les populations sont en train de s'effondrer. Chaque année, la surface des villes progresse dans le monde d'environ 400 millions de mètres carrés. À l'échelle planétaire, on pense que seul un quart des terres ont à ce stade échappé à des effets très substantiels de l'activité humaine. Et on pense qu'il en restera 10% dans 30 ans. La pollution tue environ 3 fois plus que le sida à l'échelle mondiale, qui lui-même, hélas, n'est pas inactif. Et elle cause environ 6 millions de morts annuelles et progresse très notablement, en particulier bien sûr dans les pays pauvres, qui bien sûr sont généralement les moins pollueurs. Une bonne partie de la grande barrière de corail est en train de s'étioler, ce qui constitue, on sait, une sorte de symbole visible de l'effondrement de la biodiversité. Je fais exprès d'aller un peu tous azimuts comme ça, de mélanger les problèmes, parce qu'ils sont en réalité très interconnectés. Donc vous savez que les humains représentent environ 0,01% des créatures vivantes à la surface de la Terre.
Et on pense que depuis les débuts de la civilisation, ils sont à l'origine de 83% des morts, toutes les espèces confondues. Alors, la première cause de cette chute de la vie sur la Terre, on la connaît bien, c'est la disparition des espaces de vie et le fractionnement des espaces de vie. C'est le fait que les vivants, globalement sur Terre, n'ont plus d'endroit pour vivre. Je fais exprès de le dire parce que on a beaucoup parlé du dérèglement climatique. C'est évidemment un problème majeur, c'est pas moi qui dirais le contraire, on va y revenir. Mais je pense que c'est important de ne surtout pas réduire la catastrophe écologique à la catastrophe climatique. C'est un des aspects qui est incontestablement dramatique, mais il n'est pas plus dramatique que les autres. Il n'est pas plus dramatique que la pollution, et il n'est pas plus dramatique que le fait que les espaces naturels sont en train de s'effondrer. Et à l'heure actuelle, c'est ça la première cause de chute de biodiversité. Alors, pour ce qui est du réchauffement, puisqu'il faut quand même en parler un petit peu, c'est pas le cas dans cette salle. Moi, j'ai été invité à des congrès aux États-Unis il n'y a pas très longtemps, pas des congrès scientifiques, hein, rassurez-vous. Beaucoup de gens étaient climato-sceptiques. C'était pas des paysans texans qui savaient à peine lire et écrire. Hein. C'était des gens très éduqués, parfois des doyens d'université, qui pensaient absolument qu'il n'y avait aucun problème de réchauffement climatique. Donc, le chiffre à l'heure actuelle que nous donnent les études scientifiques, c'est que la probabilité que le réchauffement ne soit pas d'origine humaine, ne soit pas anthropique, est de 0,0005%. Donc c'est quand même un pari qui me semble un peu gonflé. Alors, les études récentes montrent que la population humaine mondiale soumise à des canicules potentiellement mortelles de plus de 20 jours devrait s'élever à la fin du siècle à 74%, c'est un peu beaucoup. Là, on voit que récemment, par exemple, la sécheresse qu'il y a eu au Sahel est sans équivalent depuis 1600 ans. Les feux de forêt ont été multipliés par 4,5 aux États-Unis en l'espace de quelques années. Ce qui est assez intéressant d'ailleurs, c'est qu'aux États-Unis, on commence à voir des républicains qui s'engagent un peu dans la branche écologique simplement parce que les catastrophes coûtent trop cher. Donc voilà, parfois il y a des effets inattendus, mais ils se disent que même si Trump est fort sympathique, bon, déjà pour le penser il faut être un peu fou, mais même si on le pense, eh bien en fait son endettement va finir par coûter trop cher, même à l'économie américaine, indépendamment évidemment de la catastrophe humaine et écologique. Alors les réfugiés, on en a beaucoup parlé, moi c'est aussi un problème qui me semble absolument incroyable. Je trouve que bon, on avait vu une sorte de faillite quand même de la construction européenne avec la Grèce, qui a été complètement abandonnée à son sort et même humiliée dans son sort. On vient de voir une deuxième faillite avec les réfugiés syriens qui n'ont pas été accueillis, qui n'ont pas été traités dignement. Bon, j'espère que s'il y a un dernier moment pour se rattraper, ben, c'est maintenant. Enfin, on ne peut pas se rattraper, hein, parce que les gens qui sont morts sont morts. Donc pour cela, on ne peut plus rien faire. Mais s'il y a encore un petit espoir, ben, c'est évidemment avec la question écologique qui, comme ça a été rappelé pendant tous les débats précédents, est absolument liée à la question sociale et économique, qu'on va peut-être pouvoir le faire. Donc je crois que plus que jamais, l'idée que c'est maintenant ou que ça ne sera pas est évidemment en train de s'ancrer dans nos inconscients. Et il faut voir l'ampleur du problème, parce que même si on se fiche complètement de l'aspect perte de diversité du vivant, ce qui est quand même un aphorisme en réalité, parce qu'un vivant ne peut pas se moquer du vivant, c'est une sorte d'oxymore intellectuel, mais même si on le faisait, on voit bien qu'avec entre 100 millions et 1 milliard, suivant les estimations de réfugiés climatiques dans 30 ans, donc là on parle quand même de choses qu'on devrait vivre, si tout se passe bien, en tous les cas que nos enfants vivront. Et donc on parle de très court terme, que ça sera absolument ingérable, ne serait-ce que du point de vue géostratégique. Donc même si on se moque de la vie de ces gens, ce qui est quand même scandaleux, et si on se moque des effets sur la planète en général, de toute façon, il y aura des problèmes de guerre et de conflits qui ne peuvent pas ne pas éclater, vu en particulier notre inconséquence et incompétence pour accueillir quelques réfugiés syriens. Alors, en parallèle de ces aspects humains, il y a des aspects très matériels. Donc, vous savez que cet été, la température a dépassé 51 degrés à Londres, hein, c'est comme ça qu'on mesure, dans le sud de l'Algérie. À Oman, pendant un cycle de 24 heures, elle n'est jamais descendue au plus froid de la nuit, en dessous de 42 degrés, c'était jamais arrivé. Et on mesurait, il y a quelques années, 54 degrés au Koweït. Là, on rentre dans le réel qui frappe de plein fouet. Hein. C'est-à-dire qu'à ces températures-là, le corps humain tout simplement ne fonctionne plus. On est très efficace pour chauffer, on est très inefficace pour refroidir. Parce qu'on n'est pas fait pour fonctionner au-delà de la température corporelle, qui est de 38 degrés. Et donc, à ces températures, eh bien, le corps réagit. C'est-à-dire qu'il détourne le sang vers les capillaires de la peau, il rationne les organes vitaux, le cerveau n'est plus alimenté, le cœur pompe et s'épuise. Donc ça ne dure pas très longtemps.
C'est pour ça que je fais une parenthèse, je vais y revenir, mais quand on me parle du problème des privations de liberté qui pourrait être associé à une réforme écologique, d'abord je pense que c'est faux, mais quand bien même ça serait vrai, ça serait dérisoire. Parce que là, il faut se rendre compte que quand on aura des températures de 50 degrés de façon récurrente pendant l'été, on aura une privation de liberté radicale, c'est qu'on ne pourra plus sortir de chez nous. Donc là, c'est vrai, c'est une vraie privation de liberté, et celle-là, elle va advenir si rien ne se passe. Donc on a peut-être intérêt à faire de petits efforts pour éviter les grandes catastrophes. Alors évidemment, les animaux subissent aussi ces canicules. En particulier, on observe que des espèces qui sont extrêmement pacifiques sont en train de devenir très agressives. Ça, c'est un effet assez connu sur beaucoup d'espèces de l'augmentation de température. Donc on a essentiellement un dérèglement des comportements. Pour le dire simplement, les vivants deviennent fous. Alors l'ONU, comme vous l'avez remarqué, c'est une institution qui est quand même plutôt posée. L'ONU n'est pas extrêmement connue pour utiliser des termes régulièrement alarmistes. Et pourtant, il y a quelques mois, il déclarait que nous faisons face à une menace existentielle directe. Et ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est que l'ONU considère que les objectifs que nous nous sommes fixés sont extrêmement insuffisants. Et pourtant, nous sommes extrêmement loin d'atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés. Donc vous voyez le double problème. On n'est pas assez ambitieux dans ce qu'on souhaite faire, mais pourtant, on est quand même très loin d'avoir atteint ce qu'on souhaite faire. Donc c'est quand même une catastrophe assez globale, en réalité. En parallèle, pour continuer cette petite présentation comme ça, vous savez que l'océan de plastique qui se déplace actuellement dans le Pacifique atteint 3 fois la taille de la France métropolitaine. On estime sa masse à 1,6 million de kilomètres carrés et on pense que cette mer de plastique tue environ 1 million d'oiseaux et 100 000 mammifères par an. Et évidemment, il est en croissance exponentielle. Dans les zones urbaines, 80% de la population humaine est soumise à des niveaux de pollution qui dépassent les recommandations de l'OMS. Et chaque année, 80 000 km² de forêt disparaissent. Ce chiffre est non seulement en augmentation, mais en augmentation rapide. En France et dans le monde d'ailleurs, les émissions de CO2 sont reparties à la hausse en 2017. Donc l'année qui vient de s'écouler a battu un nouveau record international, et la très timide, à mon sens, stratégie bas carbone que la France avait proposée en 2015 n'a, dès 2016, pas été respectée. On a observé environ 500 zones mortes dans les océans, c'est-à-dire des lieux où le niveau d'oxygène est si bas que pratiquement plus aucun vivant ne peut exister. Et conjointement, nous avons 89 millions d'êtres humains supplémentaires à nourrir chaque année. Donc ça, c'est la situation. Peut-être, comme je ne vais pas y revenir, je dis un mot là-dessus, parce que je suis très en difficulté avec la question démographique. Donc, je ne vais pas en reparler, donc je l'évoque rapidement. La question démographique est très compliquée. Moi, je fais exprès de ne pas l'aborder, parce que c'est trop facile. Faire reporter tout le problème sur la question démographique, c'est-à-dire sur les problèmes où la démographie est élevée, c'est-à-dire sur les pays pauvres, c'est vraiment trop facile, trop injuste, et finalement, c'est faux. En plus, il y a un effet direct, mais je suis blanc, ça vous l'avez remarqué, et je suis un homme. Et en tant qu'homme blanc, je ne vais certainement pas dire à la tribune que ce sont des femmes noires qui doivent faire l'effort de faire moins d'enfants. Donc je ne vais pas le faire, et je pense que c'est important de ne pas le faire. Voilà. C'est vrai qu'on est probablement un peu trop nombreux, c'est vrai. Mais la démographie n'est pas du tout exponentielle, à la différence de l'utilisation des ressources. Elle est en train de talonner, donc elle augmente toujours, mais elle va s'amoindrir. Et je pense que même s'il serait sans doute préférable qu'on soit moins nombreux, avec une meilleure répartition des richesses et des ressources, on peut vivre bien mieux à 12 milliards qu'on vit actuellement à 8 milliards environ. Donc la démographie, je ne dis pas que c'est une question qui ne se pose pas, mais d'abord, ça serait un peu indécent que ce soit nous qui la posions. Oui, c'est à ceux qui la disent de la résoudre. Et ensuite, ce n'est pas le problème principal, à mon sens. Voilà. Alors, quelques ébauches de solutions. Bon, là, je suis complètement hors de mon champ de compétences, mais bon, tant pis, on a dit qu'on était bienveillants. Bon, quand même, la première ébauche de solution évidente, c'est de consommer moins. En tous les cas, pour ce qui est de la consommation matérielle, parce que je vais revenir sur l'aspect un peu immatériel, qui n'est pas tout à fait négligeable non plus. Bon, ça c'est. Alors là, si quand même, je redeviens compétent pendant 10 secondes, parce que c'est une loi physique qui est bien connue. Voilà, une croissance exponentielle n'est pas possible dans un monde fini pendant un temps infini. Ça c'est bien connu, mais en physique, dans ma discipline,
On a un très joli mot pour ça, on appelle ça une instabilité, un système qui est en croissance exponentielle. Vous savez, c'est un peu comme si là je prends le micro et que je l'approche du haut-parleur, ça va faire du Larsen. Donc le Larsen, c'est le système qui s'emballe, c'est une rétroaction positive. Plus le haut-parleur émet un son fort, plus il rentre fort dans le micro, qui lui-même va générer un son fort, qui est amplifié, et ce qui se passe à la fin, c'est qu'on casse le haut-parleur. Sauf s'il y a un limiteur quelque part. S'il n'y a pas de limiteur dans le système de sonorisation, on va casser le haut-parleur. Donc ces systèmes-là, on les connaît bien, ce sont des systèmes qui sont en autodestruction. Et actuellement, on est en train de mettre le système planète Terre dans ce système d'autodestruction. Donc il est absolument certain qu'il faut faire quelque chose. Alors la question, évidemment, c'est de savoir quoi faire et comment faire. Donc je voudrais juste prendre un exemple, parce que je l'aime bien et qui me tient à cœur. C'est l'exemple de l'alimentation. Donc tout à l'heure, Éric Piolle a mentionné qu'à Grenoble, on proposait au moins une fois par semaine des menus végétariens aux enfants. Je trouve ça très bien. Et là, il faut être un peu raisonnable. Voilà. Moi, on m'a reproché, hein, entre beaucoup d'autres choses, de vouloir faire de l'écofascisme ou du stalinisme vert. Tout ça parce que, je pense qu'il faut effectivement qu'il y ait un peu de décision politique. Voilà. Et ça, je pense que c'est essentiel. Alors, il n'est pas question d'interdire la viande demain. Hein. Moi, je suis végétarien, mais je sais très bien que c'est pas souhaitable que ça se passe comme ça. D'abord, ça ne va pas se faire. Et ensuite, ça serait sans doute pas souhaitable que ça se fasse comme ça. Mais le fait, par exemple, qu'une alternative végétarienne soit proposée dans les collectivités locales, dans les écoles, dans les restaurants d'entreprise, ça, c'est quand même quelque chose qui ne serait pas extrêmement compliqué, que personne ne pourrait taxer de fasciste, on ne serait pas obligé de choisir cette alternative. Mais aujourd'hui, je vous assure, ce n'est pas un restaurant d'entreprise, hein, mais sur une station d'autoroute, si vous voulez trouver un sandwich en viande, c'est impossible. Il n'y en a pas. En vegan, je ne parle même pas, mais végétarien, il n'y en a pas. Et pourtant, la question de l'alimentation végétarienne, je trouve, elle est assez archétypale parce que c'est un exemple où il n'y a absolument rien à gagner. C'est-à-dire qu'au niveau global, on sait que l'industrie de la viande, c'est toutes activités confondues la plus polluante. Donc c'est pas tout à fait un détail, c'est plus polluant que l'industrie des transports. Hein. Donc c'est vraiment le poste numéro 1 de la pollution. Donc à l'échelle globale, c'est une catastrophe. À l'échelle des animaux, bon, j'ai pas besoin de vous rappeler ce qui se passe dans les abattoirs. Donc c'est 1000 milliards de vivants qui sont tués sans avoir eu de vie. Généralement, avant, c'est quand même, à mon avis, un peu ennuyeux. Et puis au niveau humain, bon, ça c'est des chiffres OMS. Hein. On sait qu'en passant au végétarien, typiquement, on diminue de 6 à 10% le taux de mortalité prématurée. Donc en gros, on vit mieux, on vit plus longtemps. C'est un fait, c'est pas une impression, c'est les méta-analyses médicales. Donc on a tout à gagner, mais on le fait pas. Alors là, je trouve quand même que les pouvoirs publics ont une responsabilité, non pas d'imposer, je leur dis pour la troisième fois, parce que je suis un peu fatigué d'être taxé de fasciste, surtout de fasciste, mais enfin, bon, c'est pas grave, c'est dans l'air du temps. Donc, proposons, et effectivement, je crois que certaines évolutions se feront de façon assez naturelle en réalité. Mais alors, la question plus globale, effectivement, c'est celle de savoir s'il faut quand même proposer ou imposer. Moi, j'ai pas d'avis parfaitement clair sur cette question. Mais je pense qu'il faut être un peu pragmatique, quand même. C'est-à-dire que, évidemment, on est tous plus ou moins un peu libertaires. Moi, j'aurais aucun problème à dire que je suis plutôt libertaire, mais dans une certaine mesure. C'est-à-dire que là, par exemple, je suis quand même content que si quelqu'un dans cette salle est en désaccord radical avec moi, il n'ait pas le droit de venir sur l'estrade et de me tirer 2 balles dans la tête. J'en suis content, c'est grâce à ça que ma parole est libre. Et donc en fait, cette privation de liberté qui fait que vous n'avez pas le droit de me désinguer, même si vous ne m'aimez pas, c'est ça en fait qui me donne aujourd'hui la liberté de parler. Et je crois quand même que ça pourrait être vrai aussi avec la planète. Soyons, bien sûr qu'on est tous pour la liberté. Qui va dire ici « je suis contre la liberté » C'est stupide. On est tous pour la liberté. Le problème, c'est que quand cette liberté est exercée d'une façon qu'elle nuit trop au bien commun, qu'elle nuit trop à la vie sur Terre, peut-être en effet qu'en restreignant par la loi cette liberté, en réalité, on se réinvente une beaucoup plus grande liberté, qui est ce rapport apaisé avec le vivant et qui est simplement cette capacité à avoir un futur, qui me semble être en quelque sorte une liberté de niveau et de valeur supérieure. Alors après, voilà quelques exemples comme ça, anarchiques, hein, puisque je me sens plus anarchiste que fasciste, donc je peux l'assumer. Actuellement, 0,02% du territoire français est réellement protégé en termes d'écosystème. Il y a des protections souples sur une plus grande partie du territoire, mais généralement, elles ne résistent pas très bien au lobby. Donc les vrais territoires protégés de façon dure, c'est un pourcentage minime. Donc là, je vois aussi une marge de progression considérable. Il faut qu'on sanctuarise, me semble-t-il, un nombre de zones beaucoup plus important. Les effets dévastateurs de la pollution, vous savez que rien qu'en France, on estime que c'est, alors encore ces chiffres OMS, hein, je crois, entre 30 000 et 50 000 morts par an. Ça, je trouve, ça devrait nous amener à réfléchir. C'est-à-dire qu'effectivement, s'il y a demain une activité à main armée et que ça fait un certain nombre de morts, ça fera la une des journaux pendant des jours, ce qui est sans doute
légitime, hein, je ne dis pas que ce n'est pas grave, peut-être que quelqu'un meurt, c'est grave, mais ces 50 000 morts par an, on s'en fout en fait, on n'en parle pas, c'est un non-événement, et ça c'est quand même quelque chose qui est complètement irrationnel. Moi, hier, mon fils est dans la salle, franchement, qu'il meure d'une balle dans la tête ou d'un cancer, les deux me feront autant de peine, hein. Je veux dire, ça ne change rien. Donc le problème, c'est la mort. Et là, on voit bien que dans la liste des priorités de ceux qui font que nous allons mourir, bah, la pollution, c'est une priorité. Donc ne pas la traiter, je pense, c'est une faute morale politique absolument considérable. Alors, que faire? Alors, la voiture électrique, on en parle beaucoup, c'est à la mode. Bon, c'est peut-être pas mal d'un certain point de vue, mais on voit bien que le problème, c'est un peu comme ce qu'on disait tout à l'heure avec la population, la surpopulation. C'est que pour l'électricité, elle n'est pas gratuite. Hein. Moi, je connais des gens qui pensaient qu'une voiture électrique, bah, elle ne pouvait pas du tout, parce qu'il n'y avait pas de poule d'échappement. Donc, zéro impact sur le monde autour d'eux. Bon, évidemment, l'électricité, il faut la faire. Alors, à Grenoble, comme l'a rappelé avec Piolle, c'est bien, on est plutôt bon élève. Mais enfin, à l'échelle mondiale, bah, cette électricité, elle est loin d'être gratuite. Et ça a quand même le risque de déporter, en fait, hors des villes, la pollution. Et ça, évidemment, c'est quelque chose qui est presque pire, parce que ça fait que, n'en sentant plus les effets directs, on pourrait commencer à croire que tout va bien, alors que c'est évidemment pas le cas. Bon, je pense que c'est important aussi au niveau, alors philosophique, c'est un trop grand mot, hein, mais au moins au niveau perceptif, perceptuel, intellectuel, et même émotif, qu'on essaye de réenchanter aussi une certaine forme de localité. Bon, moi j'ai beaucoup d'amis étudiants qui économisent toute l'année pour faire des voyages. Alors c'est pareil, hein, quand c'est une grande passion, je me sens, il n'est pas question de l'interdire et de dire à partir de demain, la loi t'interdira d'aller passer tes vacances aux États-Unis ou en Afrique du Sud, ça serait complètement idiot. Mais bon, il faut peut-être quand même qu'on se rende compte que finalement, dire moi aussi, hein, il m'arrive de voyager, donc j'ai de leçons à donner à personne. Hein, mais bon, finalement, parfois, en allant discuter avec son voisin de palier, quoi, on découvre un univers qui est radicalement autre, qui est parfois plus riche que quand moi je vais à Stanford pour travailler. Finalement, je fais 12 000 km et je vois des gens qui ont étudié au même endroit que moi, qui font le même métier, et c'est pas du tout une véritable diversité intellectuelle. Donc peut-être qu'il faut aussi quand même qu'on fasse l'effort de retrouver la multiplicité localement, ce qui, je crois, n'a finalement que des avantages. Alors, concrètement, autre mesure pratique possible, là encore, et c'est ce que vous avez dit tout à l'heure, il y a un plafond de verre qu'on évoque souvent, et on a bien raison de le faire dans la promotion des femmes, etc., et il faut évidemment le déconstruire. Et il y a aussi un plafond de verre dans ce qu'on croit être simplement faisable. Le plastique, par exemple, bah, voilà, on est, ça c'était du plexi, je sais pas, on est complètement entouré, on a l'impression qu'on ne peut pas faire son. Bon, bah, sachez qu'un des plus grands états de l'Inde, qui inclut la ville de Bombay, donc c'est pas tout à fait un détail, a interdit le plastique. Donc là, en ce moment, c'est à l'heure, il n'y a plus de plastique, c'est fini. Donc ça peut se faire, c'est une question de volonté politique, de décision. Le Costa Rica va le faire dans quelques années, c'est déjà en cours. Donc il y a des pays qui sont eux aussi des pays en partie industrialisés, qui prennent des mesures absolument radicales et, me semble-t-il, pour le meilleur. Bon, de même avec les pesticides, hein, j'ai des exemples, je vais avancer un peu, mais on peut décider que certaines choses ne sont plus acceptables. C'est là encore une question politique. Alors c'est très clair que tout ça est lié à la question économique. Bon, j'en reparlerai peut-être en conclusion, mais ce que je voudrais dire dès maintenant, c'est que moi, dans mon microcosme, donc chez les chercheurs, enfin j'essaye de sortir le plus possible du microcosme, mais on est toujours rattrapé quand même par son environnement proche, la créance avec laquelle je suis en désaccord, que j'entends le plus souvent, c'est quand même la croyance au miracle technologique. Il y a beaucoup de gens qui pensent que, bon, in fine, on trouvera la solution, parce qu'on l'a toujours fait, parce qu'on est tellement géniaux, que quand même, ça va marcher. Et ça me semble doublement faux. D'abord, ça me semble faux, parce que si on regarde l'état factuel des choses, c'est pas du tout le cas. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun indice technologique réel qui laisse entrevoir que d'ici 30 ans, on va trouver des solutions miracles, non encore testées pour venir à bout des problèmes auxquels on fait face. Mais au-delà de ça, je trouve que c'est même un problème éthique, parce que quand bien même on trouverait une solution dans 30 ans ou 50 ans qui permettrait la survie de l'espèce humaine, ce qui est assez probable, hein, que l'espèce humaine survive, mais c'est quand même un peu passer à peu de frais les centaines de millions, peut-être milliards d'individus humains et milliards de milliards d'individus animaux qui seront morts dans cette affaire. Donc je comprends même pas la logique à dire vrai, parce que la catastrophe est déjà en cours. C'est exactement comme si on nous disait, bah, la Deuxième Guerre mondiale, aucune importance, puisque les humains ont survécu. Oui, l'humanité a survécu. Pour autant, ça a été un désastre absolument insoutenable. Et on est un peu, je trouve, dans cette situation où on se dit, bah, y a un désastre en cours, mais c'est pas grave, parce qu'on va peut-être survivre. Mais ça suffit pas de survivre, il faut vivre. Et ça, voilà, c'est un argument, je pense, qu'il faut contrer, en fait.
Certains ont même parlé d'aller vivre sur Mars, hein, y compris des scientifiques très bons, les gens que je connais. Mais c'est complètement dingue, ça. Parce que d'abord, on ne saura pas le faire. Et ensuite, je vous assure qu'on ne va pas emmener 10 milliards de personnes sur Mars. Hein. Donc si on en emmène, il y aura très très peu de happy few. Donc c'est pas une solution très souriante. Alors, bon, c'est vrai qu'il y a quelques solutions quand même relativement simples hein, sur le dérèglement climatique qui sont pas mal étudiées et même mises en œuvre ici. Bon, bien sûr, on le sait, hein, aller vers des énergies non carbonées, hydraulique, solaire, éolien, biogaz, biomasse, géothermie, etc. Bon, la France a pris quand même beaucoup de retard. Aujourd'hui, vous savez qu'à l'échelle mondiale, c'est le solaire. Hein, l'énergie la moins chère actuellement, c'est le solaire. C'est passé sous le nucléaire. Donc c'est un fait que l'énergie solaire va se développer. Ce n'est pas forcément un fait que c'est une bonne chose, parce qu'elle aussi, elle a ses contreparties. Mais il y a des choses qui sont en train de se passer pour lesquelles nous ne sommes pas quand même exactement en avance. Alors il y a aussi des initiatives économiques, comme le pacte finance-climat dont on a parlé, qui consiste à essayer en fait de proposer que la Banque européenne d'investissement devienne une banque de développement durable. Bon, moi, je n'aime pas tellement le mot développement durable. Pour dire la vérité, mais bon, c'est quand même des gens bien intentionnés, hein. J'ai discuté avec eux, c'est qu'on peut dire que ça va pas assez loin, que c'est pas assez des constructeurs, etc. Mais enfin, l'idée quand même que les 1000 milliards que la BCE crée chaque année pour financer les banques soient plutôt utilisés pour financer la transition écologique, bon, à la base, ça serait quand même plutôt une bonne chose. Alors ça, c'est les solutions, je dirais, les rustines, quoi, pour moi, c'est les petites choses. Est-ce qu'on peut faire des plus grandes choses? Bah certainement, on peut, mais la question, c'est de savoir si on veut. Donc moi, effectivement, je crois que l'important, c'est vraiment, quand je disais qu'en fait, l'écologie est une priorité absolue, en y réfléchissant, je crois que ce que ça signifie, c'est qu'il faut qu'on libère nos élus, en fait. C'est-à-dire que la plupart des élus, enfin la quasi-totalité, en fait, hein, sauf la piole, n'ont pas été élus sur un projet écolo, en fait. Alors, il y a quelques évidemment, députés et sénateurs aussi, qui ne comptent pas pour rien, mais loin de là. Mais, et du coup, effectivement, moi, après mes petits appels, je ne sais absolument pas pourquoi ils ont été entendus d'ailleurs, mais il y a des représentants politiques qui m'ont appelé, et certains étaient clairement sincères, parce que de toute façon, ce n'était pas enregistré, je ne vous dirai pas leur nom, ils n'avaient rien à gagner à me dire des choses. Et en fait, je sentais qu'ils ne pouvaient rien faire, parce qu'en réalité, le peuple ne les suivait pas. C'est-à-dire que s'ils prenaient des mesures un peu, voilà, qui pouvaient nous enlever un tout petit peu de confort, bah, n'ayant pas été élus pour ça, ils ne se sentaient pas légitimes pour le faire. Donc là, je pense que le rôle qu'on a à jouer, c'est de dire n'importe quel élu qui ne fait pas de l'écologie sa priorité, on met le programme à la poubelle. C'est-à-dire on ne le considère même pas. Parce qu'on ne peut pas ne pas mettre la vie en priorité numéro un. Sauvegarder la vie, ça ne peut pas ne pas être notre priorité. Voilà, donc ça, je pense que... Alors, si l'élu est ouvertement écolo, c'est encore mieux. Mais s'il n'est pas ouvertement écolo, qu'il ait au moins cette composante dans son programme, pour moi, qu'il soit en quelque sorte sine qua non. Voilà. S'il n'y a pas ça... Il n'est juste pas sérieux. Alors le mot sérieux, moi j'adore, parce qu'effectivement, comme vous l'avez dit je crois tout à l'heure, on a tellement eu longtemps l'image de loup-dingue que c'est quand même pas mal que le vent tourne un peu et qu'on le rappelle que non, les loup-dingues, c'est quand même des gens qui pensent que gagner 0,5 points de croissance est la seule priorité légitime du devenir de l'humanité. C'est quand même eux les doudins, quoi. Faut le dire. Alors, mais vous avez planté, mais je dis des choses triviales, hein. C'est pas, parce qu'en fait, on est tous convaincus, donc j'ai même un point. Voilà. Donc, alors, je reviens un instant quand même sur cette question de mesures coercitives, parce qu'on m'a tellement attaqué là-dessus que je me suis rendu compte que c'était un sujet sensible. Le mot coercitif n'est pas beau, le mot liberticide n'est pas beau, mais il faut vraiment quand même qu'on y réfléchisse de près. Voilà. Quand même, j'ai l'impression que beaucoup de gens se sont créé un imaginaire dans lequel le monde actuel est un monde parfait. Et donc, en fait, ils croient être absolument libres. Et donc, dès qu'on leur dit, bah voilà, peut-être que pour le bien de la planète... Je vais vous donner un exemple, je vais faire un mea culpa. Et hier, donc, j'ai pris un café avec Eric Piolle, et je suis parti prématurément parce que je vendais ma voiture. Voilà. Maintenant, j'ai plus de voiture, j'ai décidé que j'en rachèterais pas. Et pour vous dire la vérité, c'était même une voiture qui était relativement polluante. Et bien, en fait, en y réfléchissant, je me dis aujourd'hui que j'aurais même pas dû pouvoir l'acheter, en fait, cette voiture, parce que j'en avais pas besoin. Et je trouve que ça avait quelque chose de problématique. C'est-à-dire que moi, ça ne me gênerait pas qu'on me dise, écoute, t'en as les moyens, elle te plaît, ça t'amuse, ben oui, mais ça fait quand même trop de mal à la Terre, donc non. Et ça, c'est quelque chose qui est complètement inaudible aujourd'hui. C'est pouvoir s'acheter une grosse bagnole si on en a envie, c'est considéré comme une liberté fondamentale de l'être humain.
Et en fait, donc, j'ai cédé hein, à cette erreur. Donc là, je fais vraiment un mea culpa public. Mais en y réfléchissant, je me dis quand même que finalement, on me l'aurait interdit. J'aurais probablement utilisé mes sous pour faire quelque chose de plus utile à mes proches et à ma famille. Et ça aurait été pour le meilleur, en réalité. Et donc, je crois quand même que se dire que des choses qui sont trop nocives au bien commun ne sont plus autorisées n'est pas en réalité liberticide. C'est une manière de s'assurer qu'un avenir est possible. Et c'est l'exemple que j'avais donné une fois. On n'a pas le droit de conduire en état d'ébriété. Bah, c'est une privation de liberté hein, pour l'ivrogne qui veut rentrer chez lui. Mais enfin, ça permet quand même au gamin qui va traverser la rue bah, d'avoir la liberté de continuer à vivre. Quoi. Et donc, je crois qu'au total, on y gagne. Voilà. Alors, il ne s'agit pas hein, de faire ça brutalement, etc. Il faut que les parlementaires en travaillent. Il faut que ça se fasse dans la douceur, mais un peu dans la vitesse quand même. Parce que. Donc moi je pense qu'il faut aussi, comme moi je ne suis pas politique et que je ne vais pas me lancer en politique, on peut dire les choses clairement, mais les politiques qui étaient là aujourd'hui n'étaient pas du tout langue de bois, donc c'est génial, c'est que tout n'est pas compatible avec tout. Voilà. Donc ça, il faut quand même l'accepter. Il n'est pas question de revenir à l'âge de pierre, personne ne veut ça, mais en même temps, un développement effréné de la surconsommation matérielle et de l'accumulation des richesses par un petit nombre n'est pas compatible avec un avenir de tous, vivable et apaisé. Voilà. Donc ça, je pense que c'est une vérité factuelle. Ce qu'on en fait dépend de nous, mais la vérité elle-même, on ne peut quand même pas la remettre en cause. Alors pour plus ou moins terminer, moi je crois que... Je crois que quoi ? Que finalement, il faudrait aussi un peu revoir notre rapport à la nature. Alors nature, c'est un mot qui n'est pas à la mode. Moi, j'aime pas environnement. Je trouve beaucoup trop anthropocentré. Parce que l'environnement, c'est ce qu'il y a autour de nous. C'est encore vachement quand même... voilà, je suis au centre, je regarde les petites plantes autour. Quoi. Moi, j'aime bien nature. Il est un peu très 18e siècle, en fait. Et je pense qu'il faudrait qu'on repense la nature pour elle-même. On la pense trop par rapport à ce qu'elle nous rapporte. Par exemple, la chute de biodiversité entre nous. Certaines espèces pourraient avoir un effet très fort sur les humains si elles disparaissaient. D'autres non. Hein. Je pense, j'en sais rien, je dis au hasard, peut-être que si demain les scarabées disparaissent, ça n'aura aucun effet pour l'humanité. Mais oui, mais peut-être que oui, madame. Mais je veux dire que même si ça n'en a pas, c'est grave quand même. Parce qu'ils valent pour eux-mêmes, ces vivants. Et moi, j'aimerais qu'on arrive quand même à se dire que, bien sûr, il y a des interconnexions, hein, vous avez raison. Et donc, souvent, quand une espèce disparaît, d'ailleurs, c'est un fait scientifique connu, d'autres espèces disparaissent. Mais quand bien même ce ne serait pas le cas, bah, moi, je crois que chaque espèce et chaque vivant a sa valeur en tant que tel. Alors, finalement, tout ça, ce que ça veut dire, c'est que le pari, finalement, qui sous-tend tout ça, c'est le pari de la vie. C'est-à-dire que, en fait, la décroissance, c'est un mot qui est un peu ambigu. Moi, je crois qu'en termes, effectivement, matériels, il faut qu'on décroisse. Oui, je pense que c'est une bonne chose. Mais le problème, c'est que le mot décroissance, il est associé intellectuellement à une sorte d'ascétisme triste, en réalité. Et effectivement, ce que déjà tout le monde a dit avant, hein, mais il faut le réenchanter. C'est-à-dire qu'il faut qu'on prenne conscience que dans cette forme d'attitude raisonnée, en fait, on n'y perd pas. On n'y perd pas parce que ce n'est qu'une décroissance, peut-être qu'en termes de biens matériels, et encore, pas forcément tous, mais globalement, en termes humanistes, en termes animalistes, en termes féministes, enfin, moi je pense qu'il y a quand même une connivence entre tous ces combats d'émancipation, on peut complètement y gagner. Donc, ce n'est pas un retour en arrière. D'ailleurs, il ne faut pas que ce soit un retour en arrière. Parce que moi, j'ai étudié un peu ça en m'y intéressant. En fait, il n'y a jamais eu hein, de temps béni où l'homme vivait en harmonie avec la nature. On voit bien que les chasseurs-cueilleurs, quand ils débarquaient quelque part, généralement, ils décimaient toute la macrofaune. Donc, l'idée, quand même, c'est d'inventer un devenir radicalement autre. Bon, c'est dur, mais voilà, je pense que c'est là qu'il faut le faire. Et donc, pour en revenir à la question systémique, parce que moi, donc, je me suis rendu compte que certains trouvaient que ce que je disais était... nul, parce que j'étais pas assez ouvertement anticapitaliste et donc je m'attaquais pas à la racine du problème, et d'autres trouvaient que c'était nul parce que j'étais beaucoup trop radicalement anti-système et donc un de ces révolutionnaires chevelus qu'il ne faut pas écouter non plus. Donc on peut pas plaire à tout le monde, hein, on est toujours trop ou pas assez extrême suivant nos interlocuteurs. En tout cas, moi, ce que je crois, c'est qu'en effet, c'est très clair qu'il faut une remise en cause économique qui va avec la remise en cause écologique. Est-ce que ça passe par quelque chose d'absolument radical ou par une inflexion ? J'en sais rien. Mais
l'idée que j'ai, c'est de se dire, je suis en quête d'un système, peut-être qu'il faudrait inverser l'ordre et se dire, on le fait, on arrête d'émettre du CO2, on arrête d'envahir les espaces de vie, on arrête effectivement de suraccumuler les richesses, et on verra bien après quel est le système qui permet de le faire. C'est-à-dire, essayons, alors je sais que c'est un peu facile de dire ça, qu'on n'a aucun pouvoir politique, si j'étais Premier ministre, je ne serais pas, rassurons-nous, mais j'oserais jamais dire ça. Mais je pense que ça serait quand même pas mal, en l'occurrence, que l'action précède quelque part l'idéologie systémique. On le fait, et on verra bien comment le faire. Si on ne le fait pas, on va crever. Donc on le fait, et puis le système permettant de le faire, quelque part, devrait, si tout se passe bien, émerger de lui-même. Donc, je conclue. J'avais fait une petite liste, là c'est un petit texte qu'on va peut-être publier dans quelques temps, sur, mais c'est des choses vraiment très basiques, sur ce qui me semble être les 6 ou 7 points qui pourraient nous permettre de nous en sortir. Donc moi, j'aimais bien dire que ça serait quand même pas mal de retrouver une certaine sacralité de l'autre, voilà, humain et non humain. C'est vrai que quand on vit, on a toujours un impact négatif sur d'autres vivants, de temps en temps, potentiellement, ça c'est inévitable. Mais ce qui est très important, c'est que c'est pas parce que on peut faire un peu de mal que tout le mal est autorisé. Dans nos relations humaines, on a tous déjà blessé des gens dans notre vie.